Tellement bien, parce que déjà tu vas bien, tu nous dégages une énergie comme pas possible. D'abord, je suis chaud. C'est Joël. T'es très bien habillé, tu sais ça? Merci, Pasteur. Moi, je t'aime déjà. Joël, I love you already. Tu prêches? Non. Pas du tu tout. Tu as le charisme des pasteurs. Charisme pastoral, hein. Ton papa est pasteur? Ouais, il est pasteur. Voilà! On t'a eu. Bonjour papa, bonjour pasteur. Tu es venu avec qui? Avec mon grand frère. Ah, d'accord. Okay. Salutations au grand frère. Papa est pasteur, c'est dans quelle église? Comment s'appelle l'église? L'église, c'est Mies. C'est Mies? Mies? Oui. C'est Mies, tu veux dire quoi? Mission internationale d'évangélisation pour le salut. Ok. Ça, je l'ai eu Kimbaseke. Tu as quel âge? 13 ans. Ok. C'est vrai que tout le monde pose des questions. J'ai envie de poser. Tu veux être qui dans la vie? Quand tu vas grandir. Quand tu vas grandir, voilà. Mon rêve était de devenir un grand homme de Dieu et un grand chanteur aussi. T'as vu? J'avais raison. Mais attends, à part ça. Là, tu es aux études, tu vois. Comment tu vois ça? Bon. À part ça. J'avais aussi envie de devenir un comptable. Ah, voilà. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très... On ne veut pas dire évite d'être pasteur, mais au même moment, tu peux être comptable et devenir homme de Dieu. OK? Oui. Voilà. Mais sincèrement, tu es tellement sérieux que moi, t'avoir comme comptable, je n'aurais pas peur. Joël, tu chantes quoi? J'ai préparé Je sais des mamans, Déborah Lukalu. Oh! Hey. Nice. Vas-y, homme de Dieu. Man of God. Man of God. Moi, je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui console et justifie. Toi. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui contrôle toutes choses. Oh oui, moi je sais qu'il y a un Dieu puissant dans le ciel qui défend toutes mes causes. Peu importe le temps ou les circonstances, je te fais confiance. J'ai quelque chose à te dire. Est-ce qu'il peut encore chanter un bien, peu? Waouh! Fils, regarde là, ça va. Tu as tapé! Waouh! Waouh! C'est chouette! Tu es bon, tu vois. Si tu ne me revenais pas, je viendrais à Mies te voir. Waouh! Salut, papa de l'autre part. Papa Mike, s'il vous plaît, je sens quelque chose dans mon esprit. Joël revient ici. Je prie Dieu que rien ne puisse t'empêcher d'aller là où Dieu te veut. Je prie que Dieu puisse protéger tes jours, qu'il protège ton avenir, que tu fasses peur dans le monde ténèbre, que tu travailles pour le Seigneur toute ta vie, que rien ne t'arrive, que le Seigneur soit ta bannière, que le Seigneur soit celui qui va combattre, que le Seigneur soit celui qui va t'élever, que le Seigneur soit celui qui va honorer même ta foi. Que Dieu te bénisse et que ce qui est arrivé à notre très cher Yota n'arrive pas à ta vie au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Bon, avant d'abord d'entrer dans la salle, j'ai eu des conseils venant de Alain Paloukou, Isaac Bola. Ah oui, ils m'ont vraiment dit que peut-être tu as un don de chanter, mais
les stress quand tu te tiens devant les ambassadeurs. Ils m'ont donné plusieurs caractéristiques des mauvais effets que le stress peut faire. Ils m'ont dit que le stress peut faire oublier la chanson.